Il est 7h du matin. Ça, c'est quand tu pars naviguer en métro. On est à Marseille. Après le métro, le car. C'était un lever de soleil dans le bus. Et à l'aéroport, nous y voilà. Pas grand monde, alors on va aller se boire un petit café. Arrivé à Lorient. Bon, c'est rigolo, quand tu quittes Charles de Gaulle et que tu arrives à Lorient, tu arrives vraiment à la campagne. C'est magnifique. Et bucolique. Maintenant, taxi. Le monsieur vient de me dire qu'ici, il n'y a pas beaucoup de trains. Jusqu'à dimanche, il n'y a plus d'avions qui est train, des avions. C'est le dimanche qu'il y a, le même avion va venir dimanche. Ah ouais, d'accord. Le prochain avion en provenance de Paris, c'est dimanche. C'est dimanche. Oh, fou. Il va le partir tout à l'heure. Ouais. Le prochain, c'est dimanche. Ah ouais, d'accord. C'est pas la folie, quoi. Vraiment pas. Ah ouais, je comprends pourquoi il n'y a pas de bus. Et maintenant, le train. Et c'est pas encore fini. Alors, le train pour aller de Lorient à Auré. Il est 16h. Et je suis parti de la maison à 7h ce matin. C'est fabuleux. Traverser la France, venir en Bretagne. Je crois que demain, nous ferons du... Continuation du périple en voiture. Et dans la voiture de qui ? De Lily. De Lily. Oula, attention, ici, la route est un peu spéciale. Parce qu'il y a une voie de circulation au milieu des pistes cyclables, mais on se croise frontalement, enfin c'est... Mais il n'y a pas d'eau. Alors, tout le monde roule au milieu et quand on se croise, on se rabat sur la piste cyclable. C'est pas mal, mais faut le savoir. Pierrot, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Je sais pas. Alors, point météo, bon, on va éviter de faire un point météo tous les jours parce que sinon, on s'en moque. Il fait doux. Et on est venu faire du bateau en Bretagne. Nous arrivons à Carnac. Port de Carnac. Eh bien, il y en a des bateaux. Ah, c'est la Trinité. C'est la Trinité. Voilà. Entre Carnac et la Trinité. Alors, je découvre. Je découvre, c'est très joli. Là, on est sur la plage. Et les gens font les fameuses pêches à pied. Mais c'est fou le monde qu'il y a. On dirait des petites fourmis. Alors marée basse, évidemment. Hein. Pour Marseillais, c'est insolite. Port de la Trinité. On va chercher le bateau. Voilà. Donc là, c'est marée basse. Ça sent bon. Oula, il ne faut pas glisser là-haut. Ça ne glisse pas cette affaire, non ? Non, ça va. Oui, Lily, glisse ouais. Pas. Oui, ça va. Ah, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est bien conçu, ça ne glisse pas du tout. Allons à la recherche de notre bateau, Lulu. Alors, il y a Lulu et Lily. Lulu, c'est le bateau, Lily, c'est elle. Alors, on va chercher Lulu. Arrivé sur le bateau, bon, ce que j'aime bien dans les ports, ici, c'est qu'il y a vraiment des bateaux, des Malongo 1088, là, comme ça, il y en a un autre sur la panne de Malongo. Mais il y a vraiment des beaux bateaux. Là, il y a des X, là, un J, bon, un grand soleil, c'est vraiment... Et dedans, donc nous, notre Dufour 412 GL, donc, c'est ce dont il s'agit. Voilà, dans son jus de voilier de location, quoi. Donc, bon, bah, pas très propre. Usé, enfin beaucoup d'usage avec des soins, pas toujours, c'est pas un bateau de propriétaire quoi. Mon tabasco. Mais voilà, on va faire
de belles naves là-dessus. Ça sent de l'humidité sur les boiseries, sur les... Il y a du boulot, quoi, mais... La descente... Allez, il est 14h. Nos amis ne sont pas encore arrivés. Et nous, on va aller manger un petit morceau, si on trouve quelque chose, sûrement. Oui. Hein, on y va? Il y a avec la flotte. C'est Marie Basse, et là, c'est Mariotte. Et qui c'est qui est derrière? Il dit coucou. Hello les amis, comment ça va? C'est bien la Bretagne, hein? C'est le dernier. C'est bien la Bretagne. C'est le dernier, on l'avait pas dit hein, qu'on allait récupérer le dernier. Et qui c'est qui récupère qui là? Il nous manquait plus que lui, oh. Le Denis. C'est lui qui m'a mené en Bretagne. Ah ouais, c'est lui qui t'a emmené en Corse dans ses caisses. Et en Corse et tout, il m'a tout fait faire cet été lui. Tout hein. On se quitte plus avec Pierrot. Ça va mal finir cette histoire. Ouais, moi je dis, mal finir. Tous les deux là, je sais pas ce qui se trame, mais. Ouais. C'est pire que le bagne. Tais-toi et pousse. Oh putain, c'est que je fais que ça. Attention à la marche. Ça c'est la flotte. Et je croise ici ce sympathique jeune homme. Bonjour. Yannick. Oui, c'est ça, Yannick. Et bien voilà, Yannick à la Trinité-sur-Mer. Alors je me dis, tiens, il y a même des Bretons qui regardent, c'est sympa. Et bien donc, ils viennent de Antibes. D'Antibes. Voilà. Alors toi, tu fais le programme? Je suis sur Paraty, et Paraty, il a fait le tour de l'Espagne. Super. Il est arrivé il y a 2 jours. Non, c'est pas pour nous. Là où il y a un monsieur qui a parlé, on a cru que c'était pour nous, mais il prend l'air. Là-haut, ils l'ont mis à sécher comme il a plu, il sèche là-haut. Alors Paraty, il a fait le tour du golfe de... Ouais, ouais, ah, bien. Portugal et tout. Et pourquoi? Il est arrivé il y a 2 jours. On l'a acheté en Méditerranée? Moi, j'ai vécu longtemps sur Cannes. Ah, ouais. Et donc, il était sur Antibes. Ouais. Et professionnellement, finalement, je vais rester sur Paris, donc je vais beaucoup plus en profiter ici. D'accord. J'arrive, les gars, je discute un peu, hein. Ne m'attendez pas, hein. Il y en a encore un là, Denis. Tu peux venir le chercher. Ouais, il y a beaucoup d'eau là. Il y a le pastis qui va avec. Bien sûr, dans l'autre. Je sais pourquoi tu m'as emmené. Hein. Pourquoi? Ouais, pour faire le négro. Tu le reconnais pas, lui? Sur la transat. Denis. Après, c'est moi. Hein, c'est moi. C'est pas vrai. Bonjour, Yannick. Denis. C'est une star lui aussi. À faire la transat et puis après sur le Copernic. Moi je me suis dit, je vais l'emmener en Bretagne. Au moins, on va être incognito là. Inconnu, hein, ouais, personne ouais. Va le connaître. Eh bien, c'est foutu. Je crois que c'est de la France voilà. Entière. Hein. France... Et pas que. Et pas que. Et pas que. T'es le mec qui a le melon comme ça. Il y a les Suisses, il y a les Belges. Tous les francophones, on va dire. Et non, mais c'est ça. Les Québécois. Les Canadiens, je pense qu'ils doivent. Mes amis Québécois. Coucou. Allez, à la vôtre. On va cacher ça. Chin-chin. On va cacher ça. Le premier. Non, non, moi j'en prends pas. Trinque que le Normand. Non, non, j'en prends pas. Chine. Allez, Chine. Et merci en tout cas. Capitaine. Et le Pierrot. Merci, alors capitaine. Tiens, capitaine. Quand est-ce qu'on part? C'est par où la mer? Rassure-toi, Marco, il va t'en rester, ouais. Bastille de Marseille. Il va t'en arriver, hein, là, tu vas voir. Il boit ça du petit déjeuner jusqu'au coucher. Et il n'est pas marseillais. Non. Hein non. Marco. Si tu nous regardes à la chaîne, dépêche-toi avant qu'il n'y ait plus. On oubliera la vidéo une fois qu'il sera passé là. Alors. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici, bah, tout le courant est là. Quoi. Ça se vide très vite. Et donc, quand tu as des gros coefficients, bah, quand la marée monte, bah, quand après elle redescend, bah, tout le golfe ouais, il se vide. Ça, ouais. Donc ouais, c'est impressionnant. Aussi, hein. C'est un retard de 2 heures entre la partie de marée basse ici. Bah, et là ouais. Petit matin. Du premier jour. Premier jour, on va dire premier jour de mer, enfin de bateau. Hein. Voilà. De la croisière, la free croisière. À partir du moment où on va partir en bateau.
Là, c'est quand même bien abrité. Hein. Nord-Ouest, c'est ça le Philippe. Ouais. Ouais, ça dépend de là où je vais. Bah, là, on est abrité. Hein. Oui, ouais, mais ça dépend de là où. Ouais, bien sûr. Ça cogite. Les Normands en pleine cogitation. Ça bulle, ça ébullitionne. Ça ébullitionne. Alors, messieurs, où allons-nous? On réfléchit entre Watt et Wedic. Watt et Wedic. Et Wedic. Ce sont deux îles. Ce sont des noms de qui nous parlent, mais... L'île de Wedic. Il y a plusieurs mouillages bien abrités. Par contre, sur Wedic, sur les vents de nord-nord-ouest, on a peu de mouillage. Je pense qu'on va aller plutôt viser le... Bah oui, allons plutôt nous mettre en sécurité. Forcément, de la sécurité, c'est plutôt du confort. Ah, du confort. Il n'y a pas de grand vent. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, alors? Aujourd'hui, c'est 7, 8 nœuds, aujourd'hui, vent de nord-ouest. À quelle distance on est, là? On est à 14-15 milles de la Trinité pour aller à Wedic. Donc voilà, si on a 5 nœuds, de toute façon, un 5 nœuds, ça ne sera pas sous voile, ça sera moteur. Avec un peu de chance, on aura peut-être un petit peu de vent dans l'après-midi. Toi, tu dis quoi? On peut aller à Watt et puis faire Wedic dans la journée. Et la nage, on ne peut pas mouiller là, et là on va à la nage? Oui, il y a 4000, alors oui, on peut essayer. Donc ça, on est bon nageur. Mais on va plutôt effectivement faire un mouillage journée sur Wedic. Et on sera un mouillage plus confort sur Watt en lui. Wedic, elle est plus sauvage encore que Watt. Ça y est, départ dans la baille, non? On va les ramener à l'arrière. Non, non, pas dans la baille. C'est parti, capitaine, tout va bien? Tout va bien. Voilà, on s'est un peu méfié du courant. Mélie, comment ça se passe? Heureusement, on a fait 100 mètres. Voilà, c'est très joli. On part à la pleine mer, ou presque. Idexport de Francis Joyon. Là-bas, il y a l'Occitane. De je me souviens plus le skipper qui va participer au Vendée Globe. Et nous, on est dans le chenal. La Trinité, très jolie. D'accord. Allez, parce qu'il y a du courant là, hein. On est halte. Je sers cela, mais c'est d'ici qu'hier j'ai fait les premières images et les gens étaient à pied ben, jusqu'ici, sûrement quoi. Un truc de fou. Bye bye la Trinité. Il est midi et quart. Et pour qui, comme moi, ne connaîtrait pas du tout cette région de Bretagne, on va un petit peu faire un point carte. Je vais me la jouer, celui qui connaît. Sauf que j'y connais rien, c'est la première fois que je vais. Mais bon, la Trinité, c'est là. Nous sommes sortis ici par la rivière de Cratch, balisée ici. Et alors là, nous avons le golfe du Morbihan. Voilà, l'entrée du golfe. Et là, le plateau de la Recherche, je crois que ça s'appelle comme ça. Et nous allons donc ici, comme ça, cap 180, ou quelque chose à peu près. C'est combien le cap pour descendre à Watt? 150. Alors, c'est pas du tout 180, c'est cap 150 pour aller sur Watt aujourd'hui. Voilà. Et demain, hop, Wedic ici. Hop, si je cadre, c'est mieux. Donc pour aller sur Watt et demain Wedic à la journée. Parce que capitaine Denis nous dit que là il y a des abris à la journée. Y passer la nuit, c'est un peu plus délicat. Donc il y a un vent du nord en ce moment comme ça. Donc là on va aller dans la grande rade de Watt. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ici. Mouiller et promener. Voilà le programme. Après on va remonter donc le programme de la semaine sur le golfe du Morbihan. On doit aller chercher l'ami Marco comme d'habitude qui arrive
à la bourre mercredi à je ne sais trop où, au Truidic ou un truc comme ça. Non, au Crusty, ici, il arrive, au Crusty. Et après, on annonce du vent fort, donc on va aller se mettre à l'abri dans le golfe du Morbihan, probablement. Voilà le programme. Pas beau ça comme programme, hein? Alors la température, bah, c'est pas super super chaud, mais c'est pas très froid non plus. On annonce pire dans la semaine. On va bien voir. Et moi, bah, j'attaque les... Je vais attaquer un peu les montages parce que... Parce qu'il faut. La cabine avant, on regarde, elle est là. La cabine avant, bien sympathique. Voilà. Oh, oh, très, très sympa cette cabine. Oh, là, ça bosse. Je sais pas ce qui se passe, mais... Qu'est-ce que tu vas faire, Lily? Je vais faire une petite sauce tzatziki, c'est ça, hein? Tzatziki. Denis, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je fais rien, là. Je cuis le riz, là. Qui voilà. C'est qui a rangé ce frigo et qui a tout mis, qui a tout mis dessus? C'est lui, la caméra. Lui, regardez quoi? Comment il a tout rangé. Non, c'est magnifique. Mais comment ça, c'est bien calé, tu vois. Et les cuillères, tu les as pas mises dans le bon sens non plus. Oh là 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 là, rien ne va plus. Alors, nous avons un blessé à bord. Alors, il s'est blessé en bateau, mais pas sur ce séjour-là, la semaine dernière. Oh là, le pauvre. Il a que la main droite. Mélie, tout va bien? C'est carré, là. Mélie nous fait la veille. RS. Alors, il n'y a pas de vent. Il y a des petits bateaux qui promènent là. Et on arrive bientôt. Enfin, j'en sais rien, on va voir si c'est bientôt. C'est là-bas. T'as pas froid toi? Non, ça va. Ça va? C'est bon ça. Quoi? C'est bon. Il fait beau. Non, ça va, il fait pas trop froid. C'est bon. C'est sûr que c'est pas le soleil de Marseille. Ah, tu me fais plaisir, ma petite. Bien joué. Oui, c'est clair. Mais bon, on est bien, on est bien. Il faudrait un peu d'air. Ah, on a enroulé le génois. Et on traîne, non? Les maquereaux, ils sont là, les maquereaux? Oh, la table est mise, que c'est beau. Attends, il faut goûter les carottes pour voir si elles sont bonnes. Hop. On se croise de près. Ça s'appelle comment? Le golf? Comment on va l'appeler ici? Le golf de quoi? La baie de Quiberon. Ah voilà, la baie de Quiberon. Ben voilà, en pleine baie de Quiberon. Ça s'éclaircit un chouïa. Regarde, le ciel, Denis. Regarde. Ah ouais, le ciel bleu. Magnifique. Ça se levait, hein, vers devant. Eh ben, on a de la chance. Un beau petit Jeannot qui passe là. Et nous, on fait l'apéro au rosé. Là, tu peux faire voir Watt. Ah, qu'est-ce qu'on voit devant? Alors, Watt. À ah ben voilà, c'est là où nous allons, Watt. Oui. Et ben voilà, Watt, un bateau de voyage. La vie est belle. Le déjeuner est fini, ou presque. C'est pas fini, pas... Ça, on est sous voile, on avance, là, mais alors ça je ne l'ai jamais vu. Non, là, mais c'est on là, est à 0.00, le speed. Avec, les... C'est fabuleux. Alors c'est-à-dire qu'il doit y avoir du courant. Et bientôt du soleil, magnifique. Et donc là, tu as des petites criques là, ouais. Avec le sable là-bas. Ah ouais, il y en a plusieurs. Et donc, c'est très sympa. Donc on va pas là? Ah non, on va à la grande plage derrière. Non, on va aller à la plage qui est derrière. Okay. Donc, t'en as une grande plage qui est là aussi, là, derrière le rocher là. Ouais. Et puis, attends, nous, attends. Atchoum. Atchoum, pardon. J'ai tordu. Et nous, on va aller derrière là-bas. Ah bien, c'est joli. Hein. Qu'est-ce qu'il y a vous deux là? Non, rien. Quoi, tu n'as jamais éternué de ta vie, toi? Le port de Saint-Gildas. Donc le port de Saint-Gildas, il est là, là. D'accord. Il est là. Bon, c'est bon, je peux retourner faire la vaisselle maintenant, Bertrand? Hein? Et donc les moulières. Ah oui, les moulières. Les moulières, si, il faut que tu les fasses. Des moulières, tu dis? Ouais. Des parcs à moules. Parcs à moules. Vous appelez ça des moulières? C'est Bertrand qui appelle ça des moulières. Ouais. En breton, c'est ça. Les bretons disent les moulières, c'est bizarre quand même. Les moulières. Non, les bretons disent pas les moulières. Mais si tu passes là quand la mer remonte ou quoi que tu sais pas, tu accroches tout quoi. Eh bah oui, bien sûr. Alors, là, on les voit bien parce qu'on est marée basse, mais à marée haute, tu vois rien. Il y a la balise. T'as quand même des balises, t'as des marques. Là, marques. Mais autrement, tu les vois pas. Oui. Là, on marche. Faut que tu regardes la carte quand même. Et oui, vaut mieux. Là, on marche. Si le vent ne tourne pas, oui, ouais, on va très bien. Et
premier mouillage breton à l'île de Wédic. What? Oh putain, où sommes-nous? À l'île d'Ouatt. L'île d'Ouatt, j'ai pas fait exprès, pardon. À l'île de Ouatt. C'est très joli. Cette plage là, sauvage, la dune. Alors là, nous sommes en marée montante apparemment. Oui. Donc on est marée Mais basse. Va plutôt par là pour le baigneur. D'accord. Alors vas-y. Là on est marée basse et ouais. Elle commence à remonter. On sera marée haute vers 20h. Putain, alors c'est tranquille. Hein. Denis, tu pourrais te mettre là. Allez Lulu. Allez Lulu, salut Lulu. À tout à l'heure Lulu. Mélie, où on va? C'est quoi en face là? Une île, sans doute. Ah ouais? On va faire une recherche en mythologie. Ça va Thomas? La Bretagne, nous y voilà. Nous y sommes. Allez. Ah bah elle est nettement moins lourde quand il n'y a pas d'eau dedans. Qu'on est plus. Ah. D'accord. Super les livres. Combien de temps on a mis pour venir là? 4h, même pas. 3h30. Ouais, 4 heures, on va dire maximum 4 heures au moteur, essentiellement à 5 nœuds. Quoi. Au début, non, on était tout calme au début. Ouais, en moyenne, on a dû. C'est le grand maximum. Ouais. 14 000 nautiques entre la Trinité et Ouatt. Ouais. Stéphane, opère un truc grossier de ce crustacé, cousin de la crevette et du crabe, avant de l'entasser en sac de 25 kg. Promenade à Ouatt, bien sympathique, très calme. Et alors, soleil, magnifique.
Nous sommes le 20 septembre. Et là, je voudrais en profiter ici pour adresser une petite pensée de solidarité à Serge et Valérie. Valérie et Serge, je vous embrasse. Gros bisous, bon courage aux propriétaires du Masserval que l'on a volé à Agde en septembre, début septembre. Donc Masserval, Sun Odyssey 33i, à surveiller de près en Méditerranée. Alors c'est pas ici, c'est pas en Bretagne, il n'est pas encore là, si jamais il devait y venir, mais... Donc, tout navigateur sur zone, comme dirait l'autre, en Méditerranée, du côté des Baléares ou beaucoup plus au sud, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de nouvelles. Donc ne pas hésiter à aller prendre des nouvelles sur... ici même, quoi, sur la chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté. J'ai donné toutes les infos en temps voulu. Et puis sur les réseaux sociaux, sur Facebook en l'occurrence. Voilà, Serge et Valérie, bon courage, je passe à vous, la bise. Parce qu'on va faire une transition, on va passer du montage que nous sommes en train de faire en compagnie de Mel et de Bertrand, et on va aller, qu'est-ce qui se passe dehors? Un coucher de soleil dans une ville. En Bretagne? En Bretagne. Mais non, t'as trop picolé à l'apéro déjà, toi. Bravo. Sérieux? On m'a parlé d'un coucher de soleil, c'est vrai? Poser des questions sur quoi faire, l'ennui, je ne suis pas connu, toi. Ouais, carrément. Magnifique. Très beau. Quelle chance. Quelle chance, première soirée en Bretagne, en mer. À Watt, sur l'île, un mouillage calme. Bon, la marée est remontée, on voit bien. Hein. Tout à l'heure, quand nous étions sur la plage, elle était plus basse. C'est moins flagrant là que dans le port, mais... tu sais, c'est l'histoire du Marseillais qui découvre, le mec qui découvre tout. Oh, la marée et tout. Et voilà, donc on est 2, 4, 6, 8, 10, une petite quinzaine de voiliers là, allez, max 20. Mais alors il y a tellement d'espace là, de place. Et puis c'est beau, hein, beau temps. Alors que ben, j'ai reçu des nouvelles de Bandol. Et Bandol aujourd'hui il pleuvait, il y a des tornades, Flo, coucou Flo. Envoyer une vidéo avec une tornade au large de Porc, du Cap Sissié, pas de Porquerolles, enfin un truc de fou. Et bon, ici on va être aussi un petit peu touché par le mauvais temps, paraît-il, d'après Denis, dans les jours à venir. Mais là, non. Là, aujourd'hui, ben, c'est déjà ça de prix. Magnifique. Ah merde, c'est un mangeur. Eh ben, on va les rincer, allô. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est trop salé. Ah ben, je vous l'avais dit. Attention, ouais. Un tiers de tiers. Bah, il a mis la moitié à peu près d'eau de mer, donc avec la moitié d'eau douce, mais ça fait un peu trop salé. Bon, on va manger des pâtes. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Bertrand? C'est hyper salé. Bah, ouais. Cuire à l'eau de mer, c'est pas. C'est ouf. Hyper salé, on n'a pas assez mis d'eau. Un tiers de tiers, je vous ai dit. Moi, j'ai jeté des pâtes comme ça. Hein. C'est hyper salé. Mais non, là, on peut remettre de l'eau douce un peu. Ouais, si c'est pas cuit, tu remets de l'eau douce. Ah, oui. Franchement, le brocoli, moi, je mange pas salé. Et c'est salé, mais goûte le brocoli. Parce que... Non, mais on remet un peu d'eau douce, hein, mais moi je mange pas salé, je trouve pas que c'est hyper salé. Ah oui. C'est salé un petit peu. Il est... Brocoli, on pourrait, bientôt cuit, on pourrait l'enlever. Qu'est-ce que tu nous as préparé là? Brocoli, pommes de terre, cuit à l'eau de mer. Que de l'eau de mer? Mais non, c'est l'eau de mer, c'est un peu trop salé, donc on va un peu remettre de l'eau douce. Pour moi, le brocoli, on pourrait même l'enlever, je pense. Hein. Enfin, goutte, mais parce qu'après, sinon, ça va être trop. On va pas manger ce soir. Si on fait des pâtes, hein, si on peut. Ah bah voilà, on va faire des pâtes. D'ailleurs, il y a plein de saladiers. Sortez les pâtes. Je les ai rangés, les saladiers. Sortez les pâtes. Attends. C'est Pierrot qui va être content. Oui. Mais non, on va.